Christophe? Je ne faisais pas que commence la journée, là, je le rappelle, Guette Christophe. Merci, en tout cas. Oui, bien mangé. Tu sais comment inviter, comment c'est normal de bien manger. La modestie. Qui fait tout le temps quand on a une grande surface, bovine tout le temps côté d'un zouzou. Pose-toi des questions, bonne question. Allô, le tilet tout peut continuer dans ta main. Hein? Moi je me suis changée, Christophe, une réception chaude de bain mouillé. Insecte. Et nous pas qu'à passer par le tamarin sans qu'il nous passe par les salines qui aiment l'endroit emblématique de tamarin. Existe des vents là-bas. Existe des vents là. Alors Estelle, je te présente Christine. Bonjour Christine, qui est hôtesse ici. Christine a le sourire en tout cas, maman. Toujours. Alors, dis-moi un peu Christine, où on est, qu'est-ce que vous faites ici, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va visiter justement? Alors moi c'est Christine, je suis guide et hôtesse dans les seules salines qui existent. J'avais bien de la chance, parce que ce sont les seules salines qui existent dans l'île. Seules salines où on récolte le sel. Et donc ces salines ont plus de 75 ans. C'est un patrimoine familial qui s'étend sur plus de 30 hectares. Nous récoltons le sel tous les 7 jours, sauf quand il pleut, parce qu'on a besoin d'avoir un climat favorable. Et nous récoltons de la fleur de sel ou le gros sel. Nous avons plus de dames qui récoltent chez nous. Oui. La question, pourquoi? C'est parce qu'elles que sont les baisses. Certainement. Et avec nous, il n'y a pas d'absentéisme. Ah, douche. Et donc, ces dames travaillent chez nous depuis plus de 20 ans. Wow. Ici, tout est manuel, traditionnel et artisanal. Okay. Nous faisons une visite résidents, mauriciens, touristes, écoles. Et donc, elle est très très abordable, mais beaucoup de personnes aux alentours, je crois que les salles à saline existent. Ben voilà, vous le savez maintenant, viens faire un détour. Tout à fait. Et amène d'autres enfants aussi. Allez, nous faisons un petit détour. Allez-y, on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bye bye. C'est ça le sel là. C'est un petit sel que vous mangez là. Christine! C'est là. Ça, c'est le sel qu'on mange? Tout à fait. Donc, et ça, c'est le gros sel. Okay. Pour Amandiazone, nous récoltons fleurs de sel en surface ou gros du sel en bas. Gros du sel, nous vannons pour l'alimentation, massage et dommage. Pour la piscine, ce sont des sachets qu'on a préparés justement pour la piscine. Pour la piscine. Au lieu de se servir du chlore, on se sert du gros sel. Produits naturels, bio, et on peut y aller tout de suite. Ah. Ben oui, nous vannons gros du sel aussi aux fermiers pour les animaux, pour les bovins, les blocs de sel qui vont lécher les chevaux. Mais Christine, vous n'êtes pas dire tout. Comme ça, ça va inciter les gens à venir. Venez, vous autres, ça vaut la peine, venez. Allez, mais, en tout cas, ça vaut la peine de rencontrer Christine, puis lui raconter toute ma histoire pour vous du sel. Trop sympa. Et c'est ce qui était peut-être là quand vous rentrez. Les tas de sel. Quand je déverse le panier, les tas de sel, ça se représente comme ça. Et comme tu as trouvé aussi, les monter jusqu'au plafond. Wow. Et quand le bâtiment là rempli complètement, 800 tonnes de sel. Allô? Faites-nous un prix. C'est hyper abordable. C'est marié abordable. C'est 150 par adulte, 75 roupies pour les enfants. Et non seulement je connais l'histoire des salines, comment faire l'île. Déjà, rentre là, même guette d'histoire. Là, c'est impressionnant. Exact. En fait. Et je faisais venir grand matin. Vaut mieux venir grand matin, comme ça, on peut trouver une madame là, puis travailler le sel. Récolter le sel. C'est impressionnant, vraiment. C'est vrai, c'est une image emblématique, ça nous trouve beaucoup de codes postales, par exemple, ou une photo côté de la madame avec du ban... comment on appelle ça? La tête. Non! Ça, la panier, tête. Panier. Les paniers, voilà, avec le sel qui moche, etc. Et c'est vrai que ça doit être hyper joli à voir. Et on a fait une tour là-bas. Estelle, pas tombe dans du sel. Ah, même là, c'est lourd. Ah, il est vrai, il n'est pas rempli. Allez, Christophe. Et mon front de poudre rond, ça m'arrive lourd, ça. Et je mets dès comme ça l'eau sur la tête. Mais c'est lourd quand même, waouh. Et là, le sel est sec.
nous verrons bien sûr que c'est six bonnes madame ici qui fait ce travail là. Taillé! Et qu'elles arrivent avec deux, franchement, Marie-Claude, ben, c'est trop pote, hein? Un pour moi, c'est impossible. Maintenant, deux? Madame, ah. Bonne madame, respect, hein, respect, franchement. Wow. Et elle travaille là depuis 20 ans. Wow! Vous espérez moi pas me déranger trop fort? Vous allez craquer mon tonteau là! Ici, toute la déco a été faite avec beaucoup, beaucoup de goût. Ouais, c'est vraiment joli. Check ça, check ça, ce fil linge là, comment il s'est. Les cinq petits détails. Regarde ici, c'est ouais, balif. Coco. Par exemple, des petits trucs, mais qui font que voilà, avant ça marche. Mais voilà, on est passé aux salines, mais là, on a des photos. Ouais. Des photos des dames qui travaillent et tout. Les images sont très propres à Tamar, hein. Et ici, tu sors du casse-pose parce qu'il y a différents endroits, justement, des différents petits lounges un petit peu partout. Je t'invite à juste relaxer, faire un peu. Il y a plein de deals Maritop au Véranda Tamarine Hotel. Par exemple, 4000 roupies par nuit pour deux adultes avec un enfant de moins de 12 ans en half board, s'il vous plaît. Et vous avez un supplément de 400 roupies pour un enfant supplémentaire, accès au rooftop et bien sûr toute catégorie de chambres confondues, valable jusqu'au 30 avril 2021. Est-ce qu'ils ont arrêté de dire tout ça là? Sinon, c'est plus facile. Vous pouvez aussi aller sur le site de Véranda ou la page Facebook. Moi, ce qui m'a envie de dire, Zut, c'est justement Zut All Inclusive Package pour deux adultes avec un enfant de moins de 12 ans. Côte de Carga, Zut Déjeuner à la Côte, Crazy Fish, les boissons tout inclus, le goûter aussi jusqu'à 17h. Et Zuka profite tout bien de la facilité de l'hôtel, franchement, et offre valable aussi jusqu'au 30 avril 2021. C'est bon. Et pour finir, vous êtes 30% de réduction sur une sélection de soins et de massages. Justement, en parlant de massage. Ah ben. On vient faire un massage. Un massage de notre choix, s'il vous plaît. De notre choix. Oui, oui, on choisit. Alors, on a besoin d'un massage et on a besoin d'un soin du visage. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour nous? Voilà. Je peux pour moi. On se sanitise. Push. C'est bien bizarre. Merci. Merci madame, puis Marie soif. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça paraît super fresh. Donc nous avons une fiche de bien-être à remplir. Si vous pouvez remplir. Fiche de bien-être. D'accord. Oh. Et la première page, la deuxième on remplit ensemble. Super. Entre temps, on va faire une petite test sensibilité. Juste pour voir si c'est pas allergique avec les deux passages. Et donc un romarin et calypso c'est bien. Okay. D'accord. Si vous avez quelques montées à ça. Est-ce que tu sens que tu gonfles? Ou qu'il se passe quelque chose? Non, c'est pas rien. Déjà, ça sent bon. C'est bon, mais pas d'allergie. Non, pas jusqu'à présent. Allez, là, on va se changer en mode peignoir. Thank you.
Azesta. C'est Voahangi qui va faire mes soins et comment opérer moi, ok? Un, nous pécose doucement parce qu'il nous donne un spa. Et deux, pense en moi avec Estelle parce qu'il s'accueille son intimité. Ok? Allez. On va commencer par un bain de pied. Oui. D'accord. Donc vous allez mettre les pieds dans le bas, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que la température vous convient? Yes, all good. Pas trop chaud? Non, du tout. Bon, voir un lieu, vas-y, finis de où, mon extra ticklish. Si mon fait ou chicken coot, pas pour l'image, parce que mon gars est extra guidi. Allez, ok. Allez, ok. Je suis prêt. Ouais. Alors, Déborah qui va me faire mon soin. Oh là là! Alors, on est chacun dans une pièce. Et voilà quoi. Regardez ça. Ouh, j'ai hâte! Et moi, souvent, je dis pampering time, me time. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment essentiel pour se ressourcer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Puis quand on a une bonne équipe qui s'occupe de vous, qui est là spécialement pour vous, mais vraiment, comment je finis ça, je ne réfère net. Là, c'est bon pour un mois et yala, yala. En tout cas, moi, je peux vous dire, je suis prête à 200% pour ce massage. J'aime vraiment bonne. Ah, relax. Question qui se ressemblait, comment dire, quand je fais toute la tête de ces histoires-là. Voilà. oui, que je peux guetter. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Tu peux pas dire, s'il te plaît. Ben non, mais pas pour ça. Et là, pourtant, pour qu'on fait un ornier, mais toujours on recommence. Quelle espèce ni ça. Méga, méga top vous êtes. Avec la petite musique et les soins, je sens ma peau, comment dire, inépreuvée. Et la demoiselle qui s'est occupée de moi, mon coin, il nous a fait dans ce rang, il y en a 10 000 dans ce rang. Bon, mais c'était top, 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 top. Et c'était une propos sur le titre, c'est ça? Donc j'attends Estelle sur le titre en attendant. Apparemment, j'aurais une petite boisson pour moi et c'était juste méga top, méga méga top. Mais je vais dormir, vous savez. Je vais dormir, je vous assure, je vais dormir. Ah, that's nice. Donc après les soins, les clients peuvent se reposer ici, c'est ça? C'est vrai, c'est top. Il y a la pression. Je suis fatiguée, mais on dirait que je suis en mode relax, net. On dirait que tout calissement là, il manque dormi, c'est bon. Merci. Franchement, Déborah, elle était top. Salut, Christophe. Salut, Christophe. Là-bas. Oh, je sens. C'est bien.
Est-ce que tu donnes une massage toi aussi? D'abord, elle flottait, elle dit juste bon massage. Tu demandes top moi aussi. Et là, la femme s'occupait de moi. Ses mains sont douces. Ouais. Moi, Déborah, elle avait beaucoup de poigne. On dirait juste sentir, mais c'était bon, tu sais, parce qu'il fallait justement pour bien relaxer le dos. Appuyer, c'était en plus, tu es dans l'ambiance, tu sais, coloré avec la musique et tout. Et les lumières que tu as choisies, bah. Ouais. Donc là, on peut relaxer un peu et on aura une infusion. Et après, ben, it's time for us to go. En attendant, let's just relax. Ouais. Ouais. C'est bon en fait de boire une boisson chaude après avoir relaxé pendant plusieurs minutes. Donc ça comporte ayapana, ouais. Romarin, gingembre et safran. Ayapana, romarin, gingembre et safran. Donc mon petit exo de côte en fait, il a un dame massage mais vraiment pour tous les goûts en fait, bande faciale, manicure, pédicure, everything that you want, comme si c'est personnalisable aussi. Et surtout, ça se passe là, Seven Colors Spa, comme si tu devais rendre à Tamarin, c'est ouvert de 9h à 17h. Et c'est aussi accessible aux non-résidents, donc je ne suis pas obligé de rester dans l'hôtel là. Et à la limite, tu peux profiter de massage, profiter d'un soin. Mais il y a plusieurs fois, tu es là comme si la table de massage. Pampering time, comme si c'est un me time, c'est vraiment essentiel pour se ressourcer, n'est-ce pas Christophe? Tout à fait. Le mari ressource est là. C'est vrai, c'est top, il faut en profiter. Essentiel. Et on a parlé des différentes promos qu'il y a, etc. avec le dépackage, où tu peux avoir aussi 30% sur les soins. Profitez-en, franchement, jusqu'au 30 avril, c'est le moment. À la véranda Tamarin Hotel. Ici, on est au Crazy Fish et je ne change tout le menu ici. Yes, nouvelle code. Nouvelle code. Nouveau setup. Exactement. Et alors, de quelle heure à quelle heure on peut manger? Ici, je peux manger depuis 10h en matin jusqu'à minuit, les gars. Et c'est ouvert aux non-résidents aussi. Donc, si je mets la place, par exemple, je me casse un peu. C'est pas fait que les coudes ne peuvent pas manger. C'est quand même là-même, un cadre magnifique, mais vraiment et hyper original aussi. Il y a la drôme, etc. C'est hyper autistique. Et les brunchs à partir du mois de mars, les dimanches. Les jeudis, toujours le jazz. Le vendredi et le samedi aussi, il y aura des lives, des petits concerts, etc. Franchement, the place to chill. The place to chill. Et là, on va aller à un rooftop. Il y a un rooftop qui est marré sympa en haut. Ah, c'est pareil, un petit drink bien top, piatano okay. Là-bas. Au véranda, mais je suis jamais montée au rooftop parce qu'il y a une petite amosse quand même, Bovina. Marie paresse ça. Mais oui, mon mari paresse. J'assume moi. Mais Aïla, c'est top avec les petites sunbeds, avec les hamacs et tout. Aïe, mais c'est la même. Et qu'on nous a dit au bas qu'il y a une Marie vue devant nous. C'est le cas. Il y a pamplemousse là-dedans. Je pense qu'il y a jus de c'est vrai, on peut rien te cacher. C'est wow, j'ai vu pamplemousse. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pamplemousse, c'est juste allusion. Ok, pamplemousse. Ok, d'accord. D'accord. Donc, tu as jus de d'ananas et jus de mangue. Ouais. Ouais. Bon. Moi, j'ai eu envie de goûter celui-là. Et franchement, c'est ça même le super tan. Un petit drink pour. Pour rafraîchir nous. Après, ça délit la journée là. Ouais, on a passé une super belle journée.
tamarin in, accueillez-nous avec les bras grands ouverts. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde prestataire qui nous recevait nous. C'était génial, franchement, hyper bien organisé, les équipes étaient top avec le sourire. Génial. Donc, vive l'expérience dans place 10 guides d'image, vous autres. Et c'est tout pour Un Tiletour pour cette semaine-là. Un Tiletour, Rémi, quand est-elle? La semaine prochaine. Ciao. Bisous.